Québec abandonne son projet d'espace bleu. C'est un musée sur la culture québécoise lancé il y a près de 3 ans. Danny, les coûts de construction s'avèrent, dit-on, trop importants et c'est ce que le gouvernement invoque pour justifier son recul. Oui, exactement, Michel. Et on se souvient, en juin 2021, le premier ministre François Legault qui annonçait ses projets d'espace bleu un peu partout dans la province, en grande pompe. Hein. C'était une annonce importante pour le premier ministre. Et puis, ben voilà, là, aujourd'hui, on apprend justement que ça explose le budget. Le budget initial qui était de 262 millions de dollars. On voulait y développer des musées sur l'histoire, le patrimoine, les grands personnages du Québec. Et il y a quatre grands projets qui sont commencés, dont celui-ci au séminaire de Québec. Et on va les continuer, celui de Québec, celui de Charlevoix, celui d'Amos et de Percé. Mais déjà, on est à plus de 200 millions de dollars atteints pour ces projets-là. Alors, le ministre de la Culture qui se dit à l'aise avec cette décision. Et on a parlé aussi au député péquiste Pascal Bérubé qui, lui, parle de gaspillage de fonds publics. Quand on gère des fonds publics, bien, il faut aussi se rendre à l'évidence. On ne pouvait pas prévoir l'augmentation des coûts de construction qui a eu lieu au cours des dernières années. Mais maintenant qu'on la constate et puis qu'on se dit que le réseau coûterait 1 milliard, je pense que c'est mieux de prendre ces sommes-là puis de les réinvestir dans d'autres projets culturels qui existent. C'était une mauvaise idée. Ça coûte beaucoup d'argent. C'était demandé par personne. Puis on a des musées partout au Québec qui avaient besoin de financement pour faire ce qu'ils font bien. Alors, c'est une mauvaise utilisation de l'argent public pour créer un réseau parallèle qui n'était pas nécessaire. Michel, il faut dire qu'au séminaire de Québec, là, c'est tout ce pavillon qui est en travaux actuellement. C'est un gros chantier. Là, on est à l'étape de la démolition, mais on va continuer ce chantier-là. Il y a une quinzaine de travailleurs là, sur place en permanence et on va redéfinir, donc justement, qu'est-ce que ce sera le futur projet. Bien, c'est ce qu'on devrait nous annoncer au cours des prochaines semaines. C'est le gouvernement du Québec, justement, qui va prendre cette décision, à savoir quelle sera la prochaine vocation ici, notamment au séminaire de Québec. Merci beaucoup, Danny.